Salut tout le monde, c'est NS et on se trouve aujourd'hui pour... Pourquoi on se retrouve? Comment j'appelle cette vidéo? Pour votre plus grand cauchemar à la plupart. Ouais, c'est bien ça. Il va s'agir de faire des toits. En veux-tu? En voilà. Personnellement, j'adore faire des toits. Je trouve que c'est un casse-tête à résoudre et j'adore ça. Je suis une grande fan de Sudoku et de mots fléchés. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va aller dans la galerie. Il y a donc quelques temps, dans une vidéo speed build, je vous ai donné le hashtag NSToi. Et vous m'avez donc partagé quelques créations. Les créations que vous m'avez données commencent ici, puisque avant ça, c'était pour une autre vidéo. Il y a quelques temps. Donc ce que je vais vous proposer pour aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire un petit peu des toits, que je vous donne des tips, des astuces pour réussir à faire des toits un petit peu plus intéressants, ou peut-être un petit peu plus jolis que ce que vous avez déjà fait, parce que je vois que par exemple cette maison-là et cette maison-là ont des toits. Donc on va essayer peut-être d'améliorer ça, s'il y a une amélioration possible. On se retrousse les manches. Non, en fait c'est désagréable, je déretrousse mes manches, voilà. Par où qu'on pourrait commencer? Bah la première maison typiquement, de visu ça me semble pas mal. J'ai pris du temps à la faire, mais je ne sais pas quoi faire des toits. Eh bien écoute, on va placer la maison. Bah, ils sont très mignons ces toits. Je vois pas de soucis a priori. Je sais pas, j'ai l'impression que ça correspond bien à la maison et tout. Ici pour la partie des murs en diagonale, t'as mis une cheminée. Je trouve que c'est une hyper bonne idée, j'y aurais même pas pensé. Notez aussi. Bon, Sushi Boutou, je vois rien à redire sur tes toits. Ils sont très bien ces toits. On va donc passer à Croissant Tranquille de Hit Blister 261. Voici ma maison pour ta vidéo sur les toits. Le jardin n'est pas fini, je n'ai pas d'inspi. On connaît un peu tous trop bien cette phase. La non-inspiration. Ah! Pourquoi il me manque des objets? Avis de recherche, la porte d'entrée a disparu. J'ai pas activé le Move Objects. Ouh, que je suis mauvaise, je l'avais pas activé. Ah, voilà qui est mieux. Oh mais c'est trop mignon! On a même des petits numéros qui ont été faits avec des toiles. Le 1 est un chef-d'œuvre, attention. Et celui-ci est excellent. Non mais c'est une blague. 1354 Simplouz, 2983, ça fait cher pour mettre un numéro devant sa maison quand même. En tout cas, je constate sur cette maison plusieurs choses. Déjà, à ce niveau-ci, on a un toit qui rentre à l'intérieur d'une fenêtre. Ça, c'est non. Quand on fait le tour, ce toit et ce toit ne sont pas du tout alignés. Ça, c'est un non aussi. Mieux vaut faire comme ça. Cependant, ce toit ne me plaît pas spécialement, donc je vais le supprimer. Je vais aussi enlever cet arbre parce qu'il fait de la peine. Et je fais un petit commentaire sur l'emplacement des fenêtres qui, je trouve, est assez disharmonieux. Je sais pas comment on dit. C'est pas dingue, quoi. En plus, c'est dommage parce que si on regarde par rapport à l'intérieur, ben, ces fenêtres-ci, elles sont pas là par rapport à une pièce spécifique. Il est très joli, l'intérieur, hein. Bon, juste, c'est un petit peu bizarre qu'il y ait des plafonniers ici alors que, ben, il n'y a pas de plafond. Mais on est dans les Sims, tout est permis. C'est vraiment super beau. La déco, on est bon, hein. Il n'y a rien à redire. Mais du coup, revenons à nos moutons. Tu vois que tes fenêtres d'en haut, vaudrait mieux qu'elles ligne avec celle du bas ou quelque chose comme ça, je sais pas. Quitte à faire quelque chose comme ça, autant essayer de mettre trois fenêtres ici par exemple. Là en l'occurrence c'est pas dingue avec l'intérieur, mais en gros avant de construire l'intérieur faut toujours réfléchir au placement des fenêtres, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et que je trouve hyper intéressant. Et en fait du coup une fois que les fenêtres sont placées, que la taille des murs est faite etc, ben ça devient vachement plus logique par rapport à l'intérieur. Je sais pas trop comment vous expliquer, je replace tout ça comme c'était. En tout cas typiquement là ces fenêtres non alignées ça fait bizarre, donc pour me faciliter la vie avec les toits je vais déplacer cette fenêtre. Là, pareil, c'est pas du tout aligné, ce serait mieux si c'était aligné comme ça par exemple. Ici, pareil, je trouve que ça fait un petit peu bizarre sur cette façade. Là, cette fenêtre n'a rien à voir avec le style industriel, je trouve. Enfin bref, vous comprenez que les fenêtres, je sais que vous êtes nombreux à galérer dessus, je pourrais pas vous faire de tuto sur comment les placer parce que moi-même je le fais de manière plutôt spontanée, j'ai envie de dire. Je réfléchis pas 30 ans, je regarde si ça va pas, ben je mets pas de fenêtre là. Je fais des tests, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Bon, je vais un peu dénaturer la maison. Je suis désolée, mais il y a des fenêtres qui vaut mieux aligner. Ce sera un petit peu mieux pour ma conscience. Celle-là, je vais la virer, je vais remettre ça comme ça, et puis à la limite, à ce niveau-ci, je vais rajouter ces fenêtres-là. Je suis pas fan, mais au moins ça reste dans le style de la maison de base. À la limite, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est vraiment oser et les décaler à fond. Mais si elles sont juste comme ça, on dirait que c'est une erreur et qu'elles sont pas alignées. Je sais pas comment mieux dire ça. Je vais pas non plus passer 30 ans là-dessus parce qu'on est là pour faire des toits. Dans ce style de maison que j'ai pas mal fait à Windenburg, quelque chose que j'aimais bien faire pour les toits, c'est utiliser des demi-murs. Alors à ce niveau-ci, je vais agrandir un petit peu l'espace de la cheminée. Je vais également agrandir cet endroit et puis cette cheminée de même. Je vais enlever la cheminée à l'intérieur, on la reverra juste après, mais au moins cette partie-ci est centrée, ça me plaît mieux. Pour le moment, je vais supprimer cette partie. Je vais donc utiliser ce demi-mur pour faire un mur. Par la suite, je vais prendre deux demi-murs plus petits, donc je prends pas celui-ci, mais lui. Je vais donc recouvrir toutes les zones à ce niveau-là. Je refais pareil, deux murs et je prends l'autre. Et en fait, je vais créer une sorte de petit escalier de cette manière. C'est tout mignon. Je vais pouvoir
pouvoir faire pareil en symétrie de l'autre côté. Et je vais même faire la même chose à ce niveau-là. Et c'est là que ça va faire bizarre par rapport aux fenêtres. En tout cas, je vais mettre pareil de ce côté. Je reproduis ensuite mon motif d'escalier de tous les côtés. Sachant que ce mur-ci est plus large, je vais laisser deux grands murs au milieu. Ça nous donne donc quelque chose comme ça. Je vais maintenant prendre le motif brique et le mettre de partout. On va ensuite avoir besoin d'une moulure. Là, je vais prendre la plus épaisse en noir. Et en fait, typiquement, ce que j'aurais fait là, c'est aligner avec ici, le centre, si vous voulez, les fenêtres. Pour la cheminée, comme la personne possède de vivre ensemble, je vais pouvoir utiliser celle-ci. Elle est magnifique, je trouve. Et elle correspond totalement à l'ambiance usine ou atelier désaffecté. Enfin, pas désaffecté, réaffecté, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je doute même sur l'utilité de ces demi-murs que je viens de placer. Si ici, je viens rajouter, mettons, de la brique, je tourne avec la touche virgule le sens du sol. Là, je me suis permise de dépasser parce que je vais avoir un toit qui va recouvrir cette partie. En tout cas, pour le moment, on se retrouve avec quelque chose comme ça et je trouve ça plutôt satisfaisant. Ça donne vraiment de la dimension au bâtiment et c'est ça, je pense, qui était recherché par la personne à la base. Je vais maintenant utiliser mon toit à deux versants. Je vais le placer. Ici, on a une multitude de flèches. Je vais utiliser ces petites-là pour réduire les versants, on va dire, qui ressortaient un petit peu trop loin, comme là, vous pouvez le voir. Je les réduis donc. Je fais pareil avec ces petites flèches sur le côté pour enlever les parties qui ressortaient. Et puis là, je vais pouvoir allonger mon toit. J'utilise les flèches les plus grosses et je vais venir l'adapter tout du long de la construction. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça. Ici, je vais cliquer sur mon toit et la flèche du haut, je vais la baisser jusqu'à ce que je puisse voir tous mes demi-murs et surtout qu'il n'y ait plus de trous là au niveau de mon toit. Je sais pas si vous voyez, mais ici on peut voir à travers, ça me plaît pas. Donc je vais le baisser encore d'un, je pense que ce sera bon. On voit encore un petit ch'touille de toit, donc je pense que je vais le baisser. Voilà, là on est nickel. Je vais dupliquer ce toit et puis je vais pouvoir le placer à ce niveau-ci. Je préfère le dupliquer pour qu'il garde exactement la même hauteur. Au moins, je trouve que ça s'enclenche mieux les dans les autres. Et là, typiquement, quand je regarde ça, je trouve que c'est pas très beau. Ça arrive, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette partie. Je vais également supprimer ce toit. Et à la place, je vais utiliser un toit à demi-croupe. Et comme ça, je vais pouvoir venir le mettre exactement où l'autre toit se situait, avec la partie qui est couverte du côté du toit. Je vais étendre jusqu'au bout. Et là, pour que ça se fonde parfaitement bien, je vais baisser les toits jusqu'à ce qu'ils se fondent entre eux. Là, ça ne se fond pas parce qu'on voit le toit qui ressort. Il suffit juste de baisser d'un de plus et là, tout se fond parfaitement. Si je le fais d'un de moins de ce côté-ci, on va avoir l'impression que ça se fond, mais de ce côté-là, ben, ça va pas être fini, il va y avoir un petit trou. Donc vraiment, il faut mettre à la même hauteur pour que ça se fonde mieux. On se retrouve donc avec un toit comme ça. Ce qui va pouvoir être intéressant maintenant, ça va être d'un petit peu mettre en valeur l'entrée, parce que pour le moment, ben, c'est pas très beau quoi. Ce que je vais faire maintenant, c'est refaire ce que j'ai fait sur les autres côtés de la maison pour essayer de mettre l'entrée en valeur. Je ne sais pas si ça va fonctionner, hein, je teste. Puis si ça fonctionne pas, on supprimera et puis on trouvera autre chose. De toute manière, c'est ça, hein, un casse-tête. Il faut chercher jusqu'à réussir à le résoudre. Donc ici ça donne plutôt bien je trouve. Je vais rajouter mon motif brique et bien évidemment mes moulures de bois. Ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre les fenêtres de ce côté. Et puis au niveau du porche je pense que je vais utiliser ça. On ne peut pas très bien pourquoi. Est-ce que si je supprime le plafond ça supprime la pièce? Ok. Donc je vais remettre le plafond et en fait dans ces cas-là il va falloir rajouter une terrasse. Donc juste au-dessus je vais mettre ça. Je vais bien évidemment l'adapter à la bonne taille. Et puis maintenant que c'est fait normalement je vais pouvoir rajouter mon petit détail juste ici. Voilà, au moins vous voyez, ça comble la petite part blanche là. Et puis on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus fini. Pour le dessus, plusieurs possibilités. Vu que la personne possède île paradisiaque, on va aller utiliser une décoration. Juste ici, on va la prendre en noir. Et on va pouvoir venir placer ça ici et là pour faire une sorte de toit en vert. Et je trouve que ça va plutôt bien avec l'ensemble. Maintenant, il faut pas oublier de créer un style pour les toits. Il me semble que les toits de ce genre de bâtiment sont comme ça. Donc c'est ce que je vais mettre. Je rajoute bien évidemment des moulures de toit. On va prendre une noire évidemment. Et là quand je la place, on peut voir que ça dépasse de partout. Moi je veux pas ça, donc je vais en prendre une autre. Typiquement celle-ci. Et quand je la place, il n'y a plus rien. Donc ça me convient parfaitement. Par contre cette fenêtre vraiment je l'aime pas du tout, je vais la supprimer. Je suis en train de transformer la création. Au niveau des toits, on se retrouve donc avec quelque chose comme ça. Ça apporte vachement plus de caractère je trouve à la construction. Et puis après il sera toujours possible de rajouter des petites fenêtres incrustées dans le toit grâce au toit en verre, mais on verra sûrement ça avec une prochaine
création. Franchement, c'est quand même mieux maintenant, non? On a ensuite cette maison-ci de Benoît 45-470 et malheureusement, je ne vais pas la faire parce que vu qu'il n'y a pas de style extérieur, ben, je peux pas trop baser mes toits selon le style, donc je vois pas trop l'intérêt. Je préfère vraiment essayer de vous donner des solutions pour des maisons qui ont un style déjà. Donc on va directement passer à la suivante, la petite maison en bord de mer. J'arrive pas à faire le toit d'un des angles et pas d'inspiration pour toute la petite dépendance. Eh bien écoute Eva HS26, aujourd'hui on va essayer de trouver une solution. C'est qu'elle est toute chou cette maison. Bon forcément ça paraît ridicule sur un terrain aussi grand, mais j'ai pris ce terrain parce qu'au moins je suis sûre d'avoir l'espace. On a donc un toit à double versant de ce côté-ci, de ce côté-là également, et puis on voit que ça fâche à ce niveau-ci. Donc la première solution, c'est qu'on va pouvoir réduire à ce niveau-ci. Si on réduit ici, je vais appuyer également sur Shift et sur cette petite flèche, et comme ça, ça ne va réduire que ce côté-là et faire quelque chose de très propre. Seulement, si je fais ça, à l'arrière, je vais me retrouver avec une partie un peu bizarre ici. La solution que je peux donc apporter, c'est de réduire le toit jusque un carreau avant ce toit-ci, puis on prend ce toit et avec Shift à nouveau enfoncé, on clique sur cette petite flèche et on la ramène à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, on reprend le toit, on le duplique cette fois-ci. On le replace exactement au même endroit. On l'étend jusque, j'ai envie de vous dire, au milieu. Je ramène ensuite toutes mes petites flèches à l'intérieur. Et on se retrouve donc là avec ce petit trou qui est un petit peu gênant. Ce que je pense que je vais faire du coup, c'est que je vais allonger un petit peu avec cette mini flèche juste là. Là on se retrouve avec les toits qui clipent un peu. Donc je vais prendre un toit à croupe, je vais le placer juste ici. Je vais l'étendre jusqu'au bout du premier toit qu'on a vu tout à l'heure, celui-là à deux versants. Je vais donc l'aligner avec ce toit-ci, un de plus donc. Et puis là, je vais pouvoir étirer sur la petite flèche à ce niveau-ci, comme ça. Et puis maintenant, je me retrouve avec un toit qui fait un triangle. On a encore ce petit côté qui clip, mais je trouve que c'est un petit peu moins gênant. Je vais reprendre le coloris, le mettre sur le toit du bas. Je récupère également la garniture de toit que je viens placer, c'est pas du tout celle-ci, que je viens donc placer juste à côté. Et ça donne donc quelque chose comme ça. Si maintenant il y a volonté d'être un petit peu plus créatif, il est possible avec Shift toujours d'essayer d'allonger un petit peu ce toit pour vraiment essayer de détacher cette partie de la maison. Et comme l'intérieur de la maison n'est pas encore meublé, bah on va pouvoir s'amuser avec la forme de la maison pour essayer de l'adapter au toit. Donc typiquement ici, je pense que ça pourrait être pas mal de faire ressortir le toit. Donc je vais faire pareil de ce côté-là, tout en réduisant un petit peu d'un coin sur chaque bord. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça. Je vais récupérer mon toit à croupe et puis je vais le dupliquer juste ici. Et je trouve que ça fait un effet tout mignon. Et du coup là, pour essayer de rendre le truc un petit peu plus intéressant, je vais tenter quelque chose. Je vais allonger encore un petit peu ce bout de mur. Si par exemple je mets ce toit un petit peu marronné de temps en temps, ça peut être plutôt sympa. Du coup pour le moment, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Je pense que je vais réduire un petit peu la hauteur de ce toit. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais je le fais. Et donc j'ai l'impression que c'est ce côté-ci qui pose problème à la personne. Donc je vais commencer par supprimer ces toits. Ici je vois également qu'on a un petit souci, donc je vais également supprimer cette partie-là. On va prendre à nouveau un toit à demi-versant. Je vais le mettre juste ici, supprimer les bords ici et là. Au niveau de la hauteur, on est bon, ça s'aligne bien. Je vais donc pouvoir le réduire pour créer cet effet de pièce que la personne voulait faire. Je le duplique et je le mets juste à côté. Ici, j'aimerais bien aligner. En fait, voilà, c'est ça que j'aime bien faire avec les toits à chaque fois, c'est essayer d'aligner au plus possible. Donc, je vais cliquer sur cette petite flèche avec Shift et aligner. Ok, ça me semble pas mal. Je vais rajouter la bonne couleur de partout. Et en fait, j'ai l'impression que cette partie du toit mériterait à être plus grande. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un petit peu plus harmonieux. Du coup, forcément, cette partie-ci va devenir plus grande également. Ce toit-là, de même. Et donc, ici, je vais reprendre un toit à double versant. Je vais à nouveau réduire les petits côtés avec les petites flèches. Je rajoute le motif toit en verre qu'il y avait tout à l'heure. Je pense que celui-ci, d'ailleurs, serait un petit peu plus joli, donc je vais prendre lui. Maintenant que ça s'est fait et que je vois bien la texture de mon toit et tout ce que je veux, je vais pouvoir le prendre et le placer juste à côté. Je réduis cette partie, je prends cette petite flèche et j'appuie sur Shift et je l'étends jusqu'au bout pour créer cette illusion de fenêtre dans le toit. Si ce que je viens de dire ça semble trop compliqué, Belpin t'a fait une vidéo hyper bien, donc je vais vous la mettre dans le i là-haut, regardez-la, ça vous aidera sûrement. Donc on peut passer à la suite. Ici on a plusieurs possibilités, soit on décide de continuer tous ces toits et de faire en sorte que si vous voulez ça dépasse jusqu'au bout, comme ça on crée vraiment cet aspect de triangle, soit on décide de garder un petit peu ce style et on va donc utiliser
utiliser des toits à demi-croupe. Je vais le placer par terre pour bien lui faire prendre la taille que je veux. Je vais le faire être de 1 sur je sais pas trop combien. Pour savoir combien du coup, je vais le placer à ce niveau-ci et je vais l'étendre jusqu'au bout. Là, vous pouvez voir que vu qu'on n'avait pas modifié la taille en hauteur de ces toits-ci, bah ça s'emboîte parfaitement. Et vu qu'on a eu l'utilisation de ces toits-ci à l'avant, je pense qu'on pourrait les réutiliser. Donc je vais le dupliquer et le mettre à l'arrière. Je réduis jusqu'ici et je vais le monter jusqu'à ce qu'il fasse toujours la même taille. Je vais ensuite prendre cette flèche et réduire cette partie-ci. Et puis là, je vais pouvoir mettre la couleur de toit que je veux. Et je pense que ça pourrait même être sympa d'étendre le toit jusqu'ici pour faire une sorte d'espace couvert à ce niveau-là. Je vais donc prendre cet outil, je vais le placer juste ici, je vais supprimer cette partie. Et comme ça, on a une continuité au niveau de la forme ici. Maintenant, je remarque qu'ici, bah, c'est plus très joli, donc je vais le ramener à l'intérieur. Peut-être même que ce serait encore mieux si je ramenais complètement. Personnellement, je trouve ça un petit peu plus joli. Maintenant, pour ajouter un peu de forme, il est toujours possible de prendre ce toit, de le dupliquer, de le placer ici. Je le baisse le plus possible. Et puis là, je vais le faire sortir avec cette petite flèche toujours vers l'avant. Alors peut-être pas trop non plus, sinon ça va pas être beau. Je vais le ramener un petit peu de ce côté-ci. Je pense que ce toit que j'avais mis tout à l'heure, il n'a plus d'utilité. Et puis là, on aura la place de mettre, qui sait pourquoi pas, une petite fenêtre. Si je décide de prendre par exemple celle-ci qui vient avec Vivre Ensemble, je peux de même la mettre ici. Pourquoi pas rajouter des petites décorations par la suite. Celles qui viennent avec Chien et Chat sont vraiment très belles pour ce style de maison. Juste histoire de donner l'impression qu'il y a quelque chose qui tient le toit, je trouve ça assez cool. Je réduis avec la touche parenthèse fermée. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis voilà, on est pas mal quoi. Là, pour le coup, ben c'est une pièce un peu vide, je saurais pas trop quoi dire. Donc si par exemple je décidais de mettre celui-ci, je pourrais par la suite, histoire de faire quelque chose de plus intéressant, appuyer sur Shift et C. De là, vous pouvez voir qu'on a trois nouveaux petits points qui sont apparus. Quand vous allez cliquer sur ces petits points, vous allez vraiment pouvoir modeler le toit comme vous en avez envie. Et ça, bah c'est plutôt cool en vrai. Donc pour le coup, je mets ça à fond, et puis le deuxième point, je vais le mettre moins à fond, voire pas à fond du tout. Je descends un petit peu, je vais dupliquer ce carrelage juste au-dessus, et puis après, par exemple, si j'ai envie de faire un toit en paille, bah ça pourrait être très sympa, je pense, avec ce style de construction. Par contre, la paille est peut-être un peu jaune. Après, de la paille rose, c'est pas très réaliste non plus, quoi. Voilà. Au niveau de cette petite partie, je rajoute une girouette. Je pense que ça peut très bien aller avec l'endroit. Je vais mettre ça de cette couleur. Et du coup, je pourrais peut-être mettre une cheminée. Est-ce qu'avec Vivre Ensemble, on a une cheminée dont les pierres sont les mêmes? J'ai l'impression que celle-ci, non. Ah, celle-là, ce serait parfait. Pour pas non plus que ce soit trop assorti, je peux mettre ce coloris. Je trouve que ça va bien avec le toit. Et je pense même que ça serait sympa de réduire la cheminée. Je vais en prendre une autre si je la mets un tout petit peu plus petite. Ouais, je trouve ça plus mignon. Ah, je voulais rajouter aussi, d'ailleurs, vu que j'ai avancé un petit peu là, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter à nouveau ce truc là pour tenir. Enfin, ça tient pas vraiment, mais ça donne l'impression que ça tient. Cette fenêtre est beaucoup trop grande pour venir ici. Du coup, je vais l'enlever. Voilà, je vais remplacer par celle-ci, ce sera mieux. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. J'espère que ça vous plaît. On n'a pas vraiment le même style de ce côté-là de la maison et de ce côté-ci niveau toit, mais je trouve que ça lui donne du charme. Toujours dans l'optique de finir un petit peu mieux les choses, je peux prendre ça et le mettre à ce niveau-ci. Du coup, voilà pour cette maison-ci. On va passer à la suivante. Ici, de Jojo Lapin 2005, on a une construction plutôt moderne. Alors, voyons voir qu'est-ce qui ne va pas avec cette maison. Je vois pas trop le problème. Eh, mais c'est trop mignon comment c'est agencé, j'adore. Franchement, bravo Jojo Lapin. Je suis complètement fan. Alors ici, par contre, je vais un petit peu baisser ces lumières. Si j'avais envie d'améliorer potentiellement la chose, mais d'après mes goûts, je mettrais les fenêtres un petit peu plus basses, parce que sinon, ça va me gêner. Ok, et puis je pense que j'allongerai les plateformes. En tout cas, celle de l'avant, ici et de ce côté-là. Est-ce que sur le côté, ça pourrait être sympa aussi? Ça peut ajouter un style, hein. Je ne suis absolument pas contre. Par contre, je vais pas les agrandir au niveau de la terrasse pour que ça garde un petit peu de lumière. Cette plateforme-ci, personnellement, je la trouve trop grande, mais encore une fois, ça c'est juste les goûts. Et là, je crois qu'on va pouvoir rajouter ces petites moulures, histoire de vraiment bien finir le tout. Ouh, et après, si je mets ça, je trouve que c'est encore plus intéressant au niveau de l'entrée. Maintenant, pour ce qui est des plateformes, je sais qu'on a une texture de motif qui est exactement comme ce mur-ci. Elle se trouve donc juste ici. Franchement, c'est stylé, hein. Je vais rajouter ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être hyper sympa. Après, c'est très subjectif, hein. En haut, on peut s'amuser à créer des petits jardins sur le toit. Ça peut être très joli. Si je prends à ce niveau-ci ce toit-là, je vais pouvoir le placer de partout. Je reviens ensuite sur mes sols, je prends la pelouse. La pelouse. Ouais, j'ai un terrain de foot sur mon toit, moi. Et une fois que ça s'est fait, donc, je vais pouvoir rajouter des petites plantes. Et puis, je récupère une petite clôture, je la mets tout autour. Et peut-être même, pour faire une continuité, je peux prendre la clôture qui serait de la même couleur que le truc que j'ai mis tout à l'heure. Je surélève cette partie, je rajoute une texture de plateforme. Autre chose qui peut être intéressant, c'est de rajouter une sorte de petit renfoncement à ce niveau-là. Et puis, si on continue
continue dans cette idée, on aurait donc de même un renfoncement à ce niveau-ci également. C'est pas vraiment un renfoncement. Enfin, ça dépend de l'angle duquel on le regarde. Mais du coup, ça va donner quelque chose comme ça. Ça peut être assez sympathique. Et écoutez, je pense que c'est tout pour ce toit plat. Cette maison-ci n'a vraisemblablement pas besoin de mon aide. Je ne sais pas pourquoi elle fait partie du hashtag. En tout cas, on a ensuite la maison de Céline MTH2. Et l'ONS, ça fait un moment que j'ai construit cette maison. J'avoue que les toits, c'est pas mon fort. Si tu pouvais m'aider, ce serait avec plaisir. Mais bien sûr, Céline, je suis là pour ça. Ouh, qu'est-ce que... Waouh, c'est hyper joli. Alors, ce que je peux voir ici, il n'y a rien à dire. Par contre, là, ça va pas du tout. Il faut que je réfléchisse comment faire pour que ça aille très bien après. On va donc commencer par mettre de côté cette partie-là. On va descendre également ça et puis ça de ce côté-ci. Je vais garder la base, je vais vraiment juste supprimer ces toits parce que c'est eux qui sont le plus gênants, on va dire. Cette base, je vais la prendre et je vais la dupliquer. Ce que j'aime bien faire dans ce genre de maison quand il y a beaucoup de formes, c'est de prendre exactement le même toit, de le réduire du coup à la taille qui est censée aller. Là, c'est celle-ci. Et puis maintenant, truc très important parce que sinon là, ça fait un truc bizarre, on a une sorte de M. Moi, je veux pas de M. Donc je vais prendre le toit et je vais l'étirer jusqu'à ce qu'il touche l'autre. Et du coup, ça nous donne quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Et donc, on n'aura pas besoin d'utiliser 3000 fois le même toit non plus. Je parle des petits toits triangulaires dans ce sens-ci. Ensuite, je vais reprendre ce toit, je le reduplique à nouveau. Donc, je vais mettre ce toit à la forme nécessaire. Je l'étire jusqu'ici. À ce niveau-là, ça ne me plaît pas. Donc, on peut tout simplement rétrécir, hein. Je vais maintenant prendre un toit à demi-croupe. Je le place ici. Je l'étends au plus possible. J'élargis le toit jusqu'à ce qu'il aille de l'autre côté. À ce niveau-ci, je vais pouvoir le baisser pour qu'il fasse la même taille et qu'il s'aligne. Je prends tous les coloris et je duplique. Je mets également cette garniture. Et maintenant, je vais pouvoir le réduire et le faire rentrer dans l'autre toit. Cet autre toit, je vais le réduire et l'étirer pour qu'il arrive juste ici. Je vais pouvoir d'ailleurs dupliquer la couleur des murs et la mettre ici. Et puis après, pour celui-ci, je pense que pour pas être trop répétitive et faire ça tout le temps, je vais utiliser un toit à croupe. Je le fais toujours avoir la même taille, je l'étire avec les flèches. Qu'est-ce que j'en pense ici? Je pense que ça pourrait être mieux si j'inversais les deux toits. Ok, là ça me semble pas mal. Je vais élargir jusqu'au bout pour continuer cette ligne. Et là, ça nous donne quelque chose comme ça. Eh ben, je trouve ça vachement mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît beaucoup. Là, je vais pouvoir dupliquer de même ce toit et le rajouter ici. Est-ce que ça fonctionne ou non si maintenant je le fais s'aligner avec le bord? Là, ça fait un petit peu trop, je trouve. Donc, je vais enlever ça. On va essayer de trouver une autre solution. Si je reprends ce toit-ci, je le réduis jusqu'à ce qu'il aille au bon endroit. Ça peut fonctionner. C'est pas magnifique, mais c'est pas horrible non plus. Je vais donc maintenant remettre toutes les décorations à leur place. En tout cas, j'ai rien à redire sur ces toits-ci. De même, celui-là, il me choque pas. Je pense qu'on est pas mal. Si jamais il y a la volonté d'essayer de relier ces deux toits, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Si on reprend ce toit-là et qu'on vient le mettre à l'intérieur de l'autre toit. À nouveau, j'essaye de faire aligner les bords. Je réduis juste ici la taille du toit. Je réduis également avec ces petites flèches. Et là, ça donne l'impression que tout est relié. Oh, c'est magnifique. Ça donne encore mieux que ce que je pensais. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est un test qui est complètement validé. À refaire. Au moins, là, on a tous nos toits qui relient le toit principal. Moi, c'est ça aussi, généralement, que je cherche quand je fais des toits. C'est de tout relier ensemble. Là, tout est relié ensemble. Et ça, c'est magnifique. En attendant, Céline, j'espère que je t'ai apporté des solutions pour ta maison. Il y a quand même moins cet aspect qu'il y a 3 milliards de toits. J'ai réussi à relier ce toit avec le reste. Ça, je suis très fière. Et puis, écoutez, on passe à la maison suivante. À nouveau, pour le même problème que celle d'en dessous, je ne vais pas faire les toits de celle-ci. Là, on a la maison sans toit. Il n'y a pas de description. Enzo, Alissa, 10. Je vais essayer de refaire cette maison. En tout cas, les toits. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bah, ça me semble pas mal. Alors, la difficulté, ça va être qu'ici, avoir des toits qui se relient, ça va être compliqué. Je vais enlever ce toit-ci, enlever ce toit-là. Je vais construire des plafonds à toutes les pièces. Donc, il suffit de cliquer sur la pièce, ensuite cliquer sur le jaune et construire un plafond. Déjà, ce sera plus pratique. Et maintenant, on va essayer de trouver des solutions. Déjà, je pense que ça peut être sympa de combiner toit plat et toit pas plat. Si je prends l'outil plateforme à ce niveau-ci, moi je trouve que c'est le genre d'endroit idéal pour faire une boîte. Qu'est-ce que j'entends par boîte? C'est que dans la maison, il y a un endroit qui ressort et qui fait vraiment comme si ben, c'était détaché de la maison, ça avait été rajouté après. Donc ça, ça va être ma boîte. Je vais récupérer le même style qu'en bas, je le mets là-haut. Pour qu'il y ait vraiment ce style de boîte, il faut que la plateforme du dessous et celle du dessus soient les mêmes. Donc je vais rajouter encore un petit étage, on va dire. C'est pas du tout un étage, je trouve pas mes mots, j'ai la flemme de les chercher. Ça fait 1h30 que je fais des toits, mon cerveau il est un petit peu en train de déconnecter là. Ensuite, donc pour assortir un petit peu mieux, je vais prendre ça. Ma foi, ça donne plutôt bien. Pour le dessus, puisqu'on ne peut pas combiner les toits, il va falloir qu'on ruse un peu. Quand je vous
vous dit qu'on peut pas les combiner. En gros, typiquement, si j'avais voulu mettre un toit, j'aurais mis un toit comme ça. J'en aurais mis un autre ici. Je l'adapte bien évidemment à ce qu'il y a en dessous. Et puis après, pour les combiner, il m'aurait fallu un autre toit qui relie les deux, donc qui touche les deux toits et qui traverse d'un bout à l'autre de la maison. Donc ça aurait donné quelque chose comme ça. Si je supprime les toits, vous pouvez voir qu'il y a bien un toit du bout à l'autre de la maison. Mais avec les toits, on le voit pas parce que c'est pas une forme propice à ce genre de toit. Donc quand je dis qu'il va falloir qu'on ruse avec les toits, on va utiliser les demi-toits à deux versants. Ou d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait essayer d'utiliser le toit à croupe. Parce que finalement, ce toit est quand même pas mal utilisé dans les maisons modernes. Il suffit de le mettre un petit peu comme ça et d'étendre les bords. Je récupère ensuite le demi-toit à deux versants. Je viens le placer juste ici. Je vais réduire cette partie-là du toit. Je vais descendre ça et allonger toujours avec Shift cette partie du toit. Au moins, ça nous fait vraiment une partie recouverte à l'avant de la maison. Je trouve ça assez sympa. De ce côté-là, est-ce qu'il y a moyen de prendre une plateforme, de l'augmenter un peu et à nouveau de la faire dépasser d'un carreau de partout? On va pouvoir utiliser une autre couleur de plateforme. Je rajoute le petit détail juste ici. Au moins, ça finit bien la construction. Je suis en train de me dire qu'au final, ce toit, il va virer. On va le remplacer par un toit comme ça. Je vais le faire aller jusqu'ici. Ça me semble pas trop mal. Je vais peut-être augmenter de niveau la plateforme. Et puis, je vais à nouveau récupérer cette plateforme et la placer juste en dessous. J'ajuste à la bonne taille. Et puis, cette fois-ci, je vais la réduire un petit peu. Comme ça, ça ne rentre pas dans la fenêtre. Je récupère le même motif que là-bas. Pareil pour cette petite part de décoration extérieure incrustée. Au niveau des toits, je remets le même coloris que le mur du dessous. Puis ici, je vais pouvoir choisir mon type de toit. Personnellement, j'aime beaucoup celui-ci, donc c'est celui que je vais mettre. Je vais également prendre des bordures, cette fois-ci blanches, ça ira très bien avec la maison. Et puis, je vais à nouveau reprendre cette texture de toit pour la mettre à ce niveau-ci en faisant des graviers. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre de ce côté-là également, ça va être très bien. Et au-dessus de la maison, juste là, ça pourrait être sympa de rajouter des petites fenêtres à ce niveau-ci. Après, peut-être que pour ces plateformes-ci, en fait, ça me plaît pas de prendre ça. Donc je vais prendre un demi-mur qui a la même hauteur que la plateforme et je vais la mettre ici et pareil de ce côté-là. Je vais même éventuellement pouvoir la placer à ce niveau-ci, à ce niveau-là, et ça suffit. Et maintenant, je vais donc pouvoir utiliser cette texture de partout. Comme ça, ça fait un petit peu plus propre. Il y a un peu moins 3000 textures qui se battent en duel. Je récupère cette couleur de haut de demi-mur, je la trouve très bien. Ah, franchement, c'est vachement mieux comme ça. Voilà donc pour cette maison et ce toit-ci. On a à la suite de la part de Pétillante 38 arrière train-train quotidien. Je te laisse la créativité sur les toits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord, il y a zéro toit. Et là, je dois tout faire toute seule, c'est ça l'idée? Je vais commencer par construire un plafond juste ici. C'est à ce moment-là qu'on va bien se rendre compte de la forme de la maison. Et alors là, j'ai pas vraiment d'idée. Je vais partir avec le toit à deux versants. Je vais le placer sur la plus grande partie de la maison qui le nécessite. On va faire donc ça comme ça. Vous pouvez voir que déjà, ça nous complète une grande partie des toits. Je vais le baisser jusqu'ici. Je peux mettre cette texture qui va avec le mur à côté, donc c'est parfait. Ah, mais c'est très bien. Au moins, ça va également avec ce mur-ci, c'est tout ce que je demande. Je vais par la suite récupérer ce toit, le dupliquer et le mettre ici. Je le réduis jusqu'à arriver à ce niveau-ci, comme ça. Je vais lui rajouter encore une case. Au moins ici, ça rentre bien l'un dans l'autre. Je le reprends, je le duplique et je le mets juste à côté. Là, on est pas mal. De ce côté-ci, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Vu qu'il y a un petit truc qui ressort, on va pouvoir mettre le toit à ce niveau-là. Je duplique ici pour mettre la même texture de toit. D'ailleurs, je vais faire pareil de ce côté-ci. Et il me reste donc maintenant le porche. Je vais prendre le demi-toit à deux versants et puis je vais le placer juste ici. Ok. Je vais baisser tout ça et puis je le fais aller jusqu'à l'intérieur de ce grand toit. J'aime pas du tout. On abandonne cette idée. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est supprimer cette partie. Oh, attendez, il y a quelque chose qui m'intéresse là. J'ai bien fait de faire ça. Je vais pouvoir prolonger ce toit. Ah bah non, c'est dommage. On était presque parfait. Je vais donc le dupliquer et le mettre de partout ici. Ok. Et maintenant donc pour le reste, je vais mettre des clôtures. Celle-ci de couleur beige clair. Et en activant la grille, je vais pouvoir venir dessiner des petites barres. Et je vous assure que ça va être vraiment très mignon. Regardez-moi ça. On va finir en rajoutant comme d'habitude ça. On va donc le mettre de partout. C'est toujours plus joli quand il n'y a pas la partie blanche là qui se balade. La personne possède chien et chat. Je vais donc prendre une jolie fenêtre qui vient avec chien et chat. Elle sera parfaite ici. Et puis de ce côté-là, on pourrait mettre celle-là. Ça donne un petit côté bien sympathique. Je vais rajouter à nouveau des petites décorations que je réduis en appuyant sur la touche parenthèse fermée. À l'avant également. De ce côté-là, ça pourrait être sympa. Et de même à l'arrière. Je finalise avec la texture de toit. Et je pense qu'on va partir sur ce type de toit-là. Avec cette couleur un peu marron qui ira parfaitement bien avec le style de la maison. On rajoute une garniture de toit. On va essayer de la mettre de la même couleur que le reste du bois. Bon, c'est pas exactement le même, mais c'est pas très grave non plus. On peut également
vraiment rajouter la girouette, moi. On va la mettre... je sais pas, moi. Elle sera donc à ce niveau-ci. Et je pense qu'une cheminée ne serait pas de refus. Il y en a une qui vient avec saison, ce sera très bien. Est-ce qu'il y a une cheminée à l'intérieur? Il y en a une juste là. On va essayer d'aligner ça. Et voilà! Les toits pour cette maison, c'est fait. J'ai tout fait avec le même toit. On peut donc passer à la création suivante. Il s'agit donc de la dernière, de EB Motel. J'ai essayé de faire une sortie par le toit. J'ai à peu près réussi, mais c'est pas net. Et j'ai mis 2 heures. Donc peut-être qu'il existe un moyen plus simple de le faire et que ça peut donner des idées à d'autres personnes. Ok, on va voir ça. Bah, elle est hyper mignonne, cette sortie par le toit. Ah, je comprends. Là, il y a des bugs de partout. Ok, bon, on va... Je sais pas trop quel style on devrait avoir ici. C'est ça qui est embêtant, en fait, avec ce genre de maison. Ça, c'est censé être une terrasse. En fait, il faut juste faire ce toit avec la sortie. Si j'ai bien compris le problème. Ah oui, attendez, j'avais pas vu, mais je vois très bien où il est, le problème. Donc, là, en plus, avec ce toit, si on descend, on a le toit, donc c'est gênant pour jouer. Je vais montrer une technique un petit peu plus simple de le faire, mais encore une fois, la vidéo de Belle Peinte vous apprend vraiment à faire ce genre de choses, donc je vous invite à aller la voir. On va donc commencer par mettre ce toit-ci ici. On va le réduire d'un pour qu'il rentre bien, et on va le monter jusqu'à ce que ce blanc disparaisse. Très bien, je vais maintenant réduire tout ça, de ce côté-ci également. On va allonger jusqu'au bout ici, copier tout ça, le placer de l'autre côté, le réduire à ce niveau-ci, le dupliquer, le remettre ici. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça. Jusqu'ici, on est plutôt pas mal. On va maintenant à ce niveau-là rajouter ce toit, réduire les côtés. De ce côté-ci également, on va allonger le toit jusqu'au bout. Pour donner la forme, on peut à nouveau appuyer sur Shift et C. On dirait un peu Dark Vador. Et là, au moins, on a cette forme-ci. Après, je crois que je suis pas trop fan. Je pense que le toit mériterait d'être plus petit. Ah, c'est mieux. On est d'accord que c'est mieux. Et du coup, maintenant, en fait, tu vas pouvoir élargir de ce côté-ci et de l'autre côté et faire exactement pareil avec les toits. Ça devrait pas être trop mal comme ça. On peut rajouter avec Shift des côtés de partout sur les bords des toits. Ok. Et pour rajouter à nouveau un petit peu de forme, je vais appuyer sur Shift et C ici et essayer de voir ce que je peux faire. Si par exemple je baisse un petit peu là, ou même à fond en fait, ça donne quelque chose d'assez sympathique je trouve. Donc écoutez, je vais faire ça de partout. Vu que je baisse à fond, j'ai pas besoin de dupliquer les toits vu que je fais toujours la même manip. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça, qui ressemble donc au toit qu'il y avait à la base, mais en plus fonctionnel et plus pratique. Et puis plus joli également puisqu'on n'a pas les petits traits de vide entre tous les toits. Je mets donc un petit motif, je vais rajouter... On va mettre du vert pour être un petit peu fun. Oh, quoique c'est orange la porte, on va mettre du orange partout, allez. Soyons fous. Et du coup voilà, j'espère que c'est bon, que ça correspond à ce qui devait être fait à la base, mais en plus pratique et surtout plus simple. Il y a vachement moins de toits et on se casse moins la tête à le faire. En tout cas, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir posté des créations pour que je puisse faire cette vidéo. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'ai vraiment adoré faire ça. J'adore faire les toits, vraiment, c'est un truc. Pour moi, c'est le meilleur casse-tête. Bon, parfois, c'est vraiment très rageant. Mais là, pour le coup, je trouve que j'ai pas eu de choses très compliquées non plus. Parce que vos maisons, elles ont des formes normales. Vous êtes pas partis dans des trucs complètement absurdes. Typiquement, je me souviens de cette maison dans la dernière vidéo que j'avais faite, par rapport au toit, justement. Et là, la forme était tellement compliquée que j'avais galéré à faire les toits. Bon, du coup, j'avais fini par faire un toit plat, mais vous voyez le principe, quoi. Il y a des formes qui sont vraiment compliquées. En fait, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment réfléchir à la forme de vos toits pendant que vous construisez et d'essayer de les faire en simultané. De même que le placement des fenêtres du coup. Comme ça vous pouvez vraiment tout modeler comme vous voulez. Si vous voyez qu'à un moment la pièce en diagonale ça fait un peu bizarre, il faut l'agrandir, la rétrécir ou la supprimer, ben vous pouvez le voir avec ça. Vous serez pas là à la fin de votre construction en ayant tout meublé à devoir faire les toits parce que vous trouvez que c'est une corvée, à vous dire oh bah non, j'arrive pas à trouver comment faire des toits. Parce que du coup vous y aurez pensé avant. J'aime pas trop expliquer aux gens comment faire les choses, c'est pas quelque chose que dans lequel je me sens à l'aise et que j'apprécie faire. C'est pour ça que plutôt que faire un tuto, j'ai préféré vous faire cette vidéo où je vous montre comment je fais les toits et comment je trouve des solutions. Il n'y a pas de règles de manière générale, mais j'ai voulu vous partager ça parce que je me dis que ça en aidera sûrement plus d'un. En attendant, écoutez, nous c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!